Bonsoir, bienvenue sur Health Talk. Ici votre cher serviteur, Dr. Marcel Benoît, pour une autre mission, la première mission pour la semaine. Et ici c'est la référence. Donc, il fait froid ailleurs ce soir, mais quand même, j'invite tout le monde de participer. Puis on va apprendre ensemble. Donc, n'a pas invité tout le monde là à soir là, puis on venir là avec nous pour nous apprendre tout bas ça. Et puis n'a durant si aussi bientôt, aussitôt que Shoah on, nous demandons que pour share live là avec vos amis. Entre temps, mais pour aller. On va aller Delphine Cassagnol. Salut, comment ça va? Entre-temps, ça me va le faire. On va aller inviter quelques monde pour une participer dans ce choix-là. On laisse voir. Non. OK. All right, so nous là chaque mardi, puis aussi bien chaque samedi. Donc, à ce soir-là, on a toujours un show intéressant. À ce soir, nous allons parler de Medical Update. Et puis après ça, nous allons parler de un topic à ce soir-là qui c'est un topic qui est approprié pour la fin d'année. Et qui ont regardé l'année 2018 là en revue. Est-ce que vous pensez que l'année ça était bon pour vous? Et qui regrette ou gagné, qui ça toi ou t'es accompli pour année. Donc, aussitôt que là, moi, je pour tout le monde, les autres amis, pour yo participer dans le programme. Ça. Good evening, this is Dr. Benoit for Health Talk. This is a bi-weekly Health Talk Show. This show is geared to educate the community. And I'm inviting everybody to be part of this talk. So tonight we have two topics. The first topic is about medical update, something new about medicine. And the second topic is, are you better off this year or yesterday? And what are your regrets and accomplishment for this year? So that's basically what we're going to talk about. So I'm asking everybody to gear up and then to come and participate in this talk that we present every Tuesday and Wednesday. Donc, I have to excuse in front. I have to excuse myself from last time we were here. First of all, we had Mrs. Alexandra Ajax, who was supposed to give us a talk, an interview. I'm sorry, an interview. But due to the fact that the internet, my phone was giving me trouble, and then we could not have her on. So my deepest apology, and the problem was rectified. I hope it is rectified. But again, my apology again for this mishap. So m'a dit tout le monde que je viens passer là, nous avons invité Madame Alexandra Ajax qui était supposée une interview sur le vaudou, mais et Facebook app moyen t'as pas de problème hein. So,
Moi, me fixer lui et m'espérer que le fixer. Donc, m'excuser grandement auprès de tout un auditeur, auditricio de petit problème ça qui arrivé là. M'espérer que problème non les fixer et que nous pas qu'ébim responsable de ça. Ok? Donc, excuse-moi grandement pour le problème ça. Bonsoir, c'est avec un grand plaisir que je suis ici encore une fois de plus dans cette enceinte familiale. Je souhaite à tout un chacun la bienvenue ici à notre émission hebdomadaire, une émission qui se passe chaque mardi et chaque samedi. Et ce soir, comme tous les soirs, nous avons une émission assez intéressante. Premièrement, on va discuter quelque chose de toute nouvelle sur la médecine. Donc, nous allons faire cette remarque sous peu. Et deuxièmement, le topic pour ce soir, c'est le suivant. Est-ce que vous avez réalisé que cette année-ci, est-ce que vous sentez mieux cette année-ci? Que l'année précédente. Et quels sont vos regrets et qu'est-ce que vous avez dû accomplir cette année-ci. Donc, c'est là. Donc, si quelqu'un a envie de passer quelques mots, m'a fait passer live, so m'a tout profité pour moi tester si que il marchait vraiment. Parce que samedi, nous espérons que et nous avons invité à venir samedi. Et nous pas avoué que samedi pour même pas l'arrivée. Non. Donc, si à ce là tout le monde a envie d'y mettre ça, t'as voulu mettre que. Et il avait pas passé son opinion sur l'année qui passe, l'année qui a fini là. Il t'a voulu passer quelques mots. Ok, et m'a mis live pour lui, qu'a dit lui. Et puis, il m'a tout profité, tester. Si que et Facebook là les marchés étaient fixés. Donc inviter tout le monde là pour nous partager ce choix-là avec un ami nous. Et puis sous peu là on pourra commencer avec ce choix-là, m'a fait inviter quelques monde là après ça nous pourra déraper. Donc sous faites brancher là, restez en moi là tout petit peu. Nous allons commencer. M'a invité on sait de dernier monde là pour qu'il vienne participer avec nous. Et puis après ça, nous pourrons commencer avec notre émission. Donc, restez branchés, ne déplacez pas. Au contraire, j'aurais demandé que vous fassiez votre devoir civique de partager l'émission avec vos amis, vos collègues et tout le monde ça et tout le monde, ok? C'est ça me demande nous pour nous faire. Donc m'a fini inviter quelques monde là, m'a pas regretter tout à l'heure parce que m'a pas invité tout le monde comme d'habitude. M'a invité un petit groupe mon petit et puis après ça nous pour aller et rentrer d'emblée dans l'émission là, ok? Donc mais avant que me commencer, m'a saluer tout le monde qui branché yo. Et puis, je vais arrêter là, parce que moi, fait tout possible moi, pour m'inviter plus monde que possible. OK. All right. Let's voir. Delphine Castagnol, salut, bonsoir, comment ça va? Davidson Auguste, salut, comment ça va? Davidson, mon pote, comment ça va? Comment ça va, Davidson? Nana Derville, salut. Jean Reed, salut. Régina Louis-Jean, salut. Delphine Castagnol, Amicard, tu vas très bien? Très bien, très bien, très bien. Rose Rance Laguerre, salut. Marion Jean-Paul, ma sœur, comment ça va? Très bien. Nicole Francis, Nikki, ma dear Nikki, how are you, Nikki? I haven't seen you a long time, alright? So, I hope everything is well. One love, sister, one love, one love. Vava Beauté Créole, salut. Marjorie Apollon, salut. Ludmila Louis, salut. Cani Olivier, mon pote, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, Ludmila Louis. Whitney Balthazar, salut, mon pote, comment ça va?
Mon frère, comment ça va? Harry Guirand, salut. Gigi Chéri, salut. Magdalena Charpentier, salut. Carole Canon-Édouard, salut. Lizzie Giffra, bonsoir. Ben Célestin, salut. Margaret Ford, salut. Nicole Muller-César, salut. Dominique Altidor, salut. Dominique Altidor, comment ça va? I have to congratulate you. You had a beautiful dress on. That was a very beautiful dress. beautiful dress. Lizzie dira que fuck moi bay un petit rhum, citron, sirop miel pour grippe là. Et pas grippe, non? Début, moi, bagaille glacé. M'gonti tous. Harry Guirand, Brooklyn branché, c'est fini, hein? Karine Doris May, salut. Garde de la mare, salut. Et Louis Bonmatcho, garçon pas à mon akaya, hein? Salut. Colette Sénat, salut. Dara Denizar, salut. Que le love. I see you had a beautiful party. Congratulations. Hopefully, next time you have a party, I'll be able to attend. Neglazil, salut. Pilote Tamara, salut. Good evening, Colette Sénat. Very good, Colette. Nadia André, Nadia, I see you had a beautiful party too. I'm sorry I could not attend. Hopefully next time I can make your party. Edwidge Bamacho, là en gomme, ok. il dit que David Amezia Sénat, Joey Saint-Cyrin, Kenny El-Hadj Sénat, Silky Wilkie, Neg Music là, Vinna Go Bout, Tonton Shoah, Ti Monsieur. Mais Ti Monsieur, paraît tête, non, paraît tout con, ouais. Ok, salut. Selon Jean-Louis, salut. Chantal L'Aventure, lui. How you doing, Chantal? Last time I saw you were jamming. You're jamming. It was pretty late. I started to watch your show, but something came up. I had to leave. Anyway, keep it up, keep it up, keep it up. Kadi Joseph, salut. Bonsoir l'aventure, Chantal l'aventure lui. Tu es présent. Salut. Wilda Bussiret, salut. Sissis Casimir, salut. Marie Sni, salut. Bon, m'a dit tout le monde bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je suis là, la soirée là. Donc, à la soirée, nous allons commencer le programme là. Ce moment des noms. Pour nous tous, partager chose ça avec mon lacanon, avec Zamino. Bon, à soirée, nous allons parler de Medical Update. Medical Update là, c'est toujours on bagaille de nouveau que me parler de lui. On bagaille que qui fait paraître. Et c'est ça Medical Update là. Ketia Gentil, salut. Bon, à soi, nous pas parler de Heart Attack. Et nous pas parler de Heart Attack là d'une façon beaucoup plus spécifique. Même à Bamounion, on petit background de Heart Attack. En plus, on pense que le fond d'attaque, c'est mauvais son fait. Mais pas vrai. Et on a d'attaque, il gagne, il est accompagné avec de risques. Risque, on connaît, c'est tension, sucre, maladie grain, et n'importe inflammation qui est encore, ou à risque pour fond d'attaque. Marie-Yolaine Jean-Baptiste, ma sister, comment ça va, hein? Evans Colo, my brother from another mother. Welcome, bro. Donc, maladie tension, maladie sucre, cholestérol, et sous gain papa ou qui t'est fait un attaque. Evans Colom, salut tout frère, salut tout.
Si papa, maman, t'es fait à l'attaque à l'âge de 55 ans, ou à risque de faire à l'attaque. Si soeur te font à l'attaque bonheur, à la de 55 ans, au moins, ou qu'à risque pour faire à l'attaque. Donc, tout bagay ça aussi, qui met à risque, nous dit, tension, sucre, cholestérol. Cholestérol pas une maladie, ok mes amis. Ce cholestérol sont question de, son test de laboratoire qui est abnormal. Et, ok? Hein? Et sous gros en pile, ou obèse, ou pas fait exercice, et puis ou gain très héréditaire, très héréditaire. Oh wow, ok, c'est. I'm sorry to read that. Très héréditaire ou te font et grand attaque, den ou a risque de faire l'attaque. Mais n'importe inflammation gagne dans le corps ou ka grand attaque. Parce que toute maladie ou gagne dans le corps, tout cancer qui dans le corps, il commence par une inflammation. Donc, inflammation qui, comment dire, ou monde qui fait maladie, et collagen vascular disease, par exemple, moun ki fè lupus, ou moun ki fè rheumatoid arthritis, tout moun sa yo, yo a risk pou fè an atak. De boukou informasyon ankor, ou a risk pou fè an atak. Bon, now. Lontan, le otap divize an atak, yo te kon divize li de deux façons. On a l'attaque antérieure, on a l'attaque inférieure, on a l'attaque qui attaque tout le myocarde, et puis on attaque qui a attaqué seulement le sub-endocarde, c'est-à-dire que le sub-endocardium. Mais, depuis quelque temps, ils ont divisé à l'attaque en deux façons. Ils ont divisé les en deux et en stémie et non-stémie. Stémie, c'est dire que vous gagnez une configuration dans l'électrogramme qui est accompagnée par ST elevation. ST elevation, c'est une marque de injury qui gagne. Et puis, good evening, Carlos Goose, my brother. Good evening. Et puis, ou gagnez non-stémie, on côté que ou pas gagnez ST elevation. C'est deux comme ça que yo marqué. So, lorsque ST elevation, that means that ou gagnez acute, ou gagnez injury qui acute. Now, ça m'a parlé à ce là, c'est que, et les que on gagnez, on stémie. Normalement, pour que le qu'on attaque, c'est un artère qui bouché. OK? Son artère qui bouché. Monsieur Roselor Saint-Louis, thank you. Son artère qui bouché, qui empêchait son arrivée dans l'endocardium, dans l'endocarde là. Et de ce fait que Mustang, il va mourir. So, les que au fond stémie, c'est que stémie en ou gon ST elevation, c'est que ou gagne en pile et dommage de muscle cardiaque là. OK? So, normalement, et ça fait que yo bo une sorte de fenêtre pour arriver l'hôpital pour empêcher que et ou pas gagner destruction musa pour pas perdre musa. Eu bon, on une période de 3 heures de temps. Il a fait que de vous gagne chest pain ou courir à l'hôpital, si que vous arrivez à l'heure dans une période là, yo ka baou un médicament qui est le thrombolytic therapy, et puis les décoaguler sang, et puis mon nom, et puis muscle préservé. Donc, et dernière étude qui démontrait, hein, Kathleen Anguise, bonsoir. D. Victoria Hill, bonsoir. Wow, Harold Jean-Gilles, salut. Bonsoir, Joro. Wow, bonsoir, bonsoir, Frem.
Illionnaire JB Salut. So, étude qui yo fait récemment là, yo gardé que et les que au monde font à l'attaque et ligon sur les monde font STEMI, ST elevation myocardial infarction, c'est ça veut dire STEMI, ST elevation myocardial infarction. That's what it means. Thank you, bro. Thank you. Là, on se termine. Et on gagne le myocarde, les dommages. So, et ça que thérapie ou besoin, au besoin, on reperfusion qui empêchait muscle cardiaque là, les dégénérer. OK? Now. Et ça a causé et dommage de muscle, il dépend de calcium, il dépend de formation de radicaux oxygéniaux et il dépend de inflammation. OK? Now. So, lorsqu'on fait un non-stémie, ça sont heart attack qui est très simple. Mais là que on stémie, c'est que stémie les cause les vient avec un pile injuries avec. So, yo font étude récemment, les fait publier en semaine passée. Yo regardé que qui gens que yo ka diminuer et quantité de myocarde qui dommageait le fond à l'attaque. Est-ce que nous comprenons? Now, normalement, le fond à l'attaque, mais ça va bon. Il y a bon médicament bêta-bloqueur qui pour empêcher que à battre trop rapide, de ce fait que cœur a utilisé moins d'oxygène. Il y a bon mon morphine pour douleur. Il y a bon mon nitroglycérine, ok? C'est qui on vasodilatateur. Et puis, yo ba moun nan, anticoagulant, yo ka ba heparine, ou du moins, yo ka bali, Inadodol is a beta blocker, D-Victoria Hill. Ou du moins, yo bali heparine, ou du moins, yo bali thrombolytic therapy. Marie-Camille, salut. Valérie Rose, salut. Rinald Duverglas, salut. Chantal Austin, salut. OK? So, et non, yo ba bay koumadine, di, yo ba bay koumadine logon heart attack. Yo bo, et koumadine nan seulement yo bali et pas voix orale. Lè que ou gen yon heart attack, ou du moins yo bo heparine, ou du moins yo bo et thrombolytic therapy qui pou léser et boule sang. Now, donc, c'est ça au bord, le fond d'attaque. OK? Beta blocker, nitroglycerine, morphine, et puis, yo bo, heparine ou bien thrombolytic therapy. OK? Now. Chantal Austin, salut. So, récemment, yo wè que, gwen étude qui fait, yo divise patient en deux parties. Yo ba moun yo, nitroglycerine, avec une substance qui relie N-acetylcysteine. OK? N-acetylcysteine. Yo bali acetylcysteine pour contre lui. Et yo bali en combinaison avec nitroglycérine. Ça a démontré que le patient qui recevra ça N-acetylcysteine son substance qui gagne sulfure là-dedans, ligon propriété anti-inflammatoire et puis les potentiels effets nitroglycérine sur les plaquettes. OK? Parce que lorsqu'on prend nitroglycérine, son vasodilatateur lié, les dilater vaisseaux sanguins, les permettre que pour sang arriver
et nan meyo kodjam nan, li empêche et platelets ou bien les plaquettes puis agréger et de ce fait que ou pas gagner trop et boule sang qui entrait en jeu. So, ça a démontré, il a démontré que les combinés et moun patient qui prend N-acétylcystinio, patient ça yo ont 30% réduction de size de myocardium. Parce que et la mortalité qui accompagnait l'on moun font heart attack, li dépend de size de heart attack là. Plus moun nan genye un heart attack qui big, the most likely moun nan li ka mouri. Et ça fait dire que moun ka fait un major heart attack, moun nan font un heart attack et moun nan tout mouri. It's the size of the heart attack. So, médicament ça, N-acétylcystine, non, il a démontré que les diminuer de size of the myocard of the heart attack et puis patient yo gagné un size de heart attack smaller plus que size heart attack la petit, c'est plus que muscle la préserver. Vous comprenez? Bam di moun yo, salut moun ki fè venir la, pe pa fâché. Et Patrick Anglade, my brother, GQ brother, how you doing, bro? Welcome to the program, nice seeing you, bro. Marilyn, petit frère, salut. Mildred Tassi, one of my favorite listener. Good evening. DB Shai, my little brother, how you doing? Welcome. Dominique Saint-Joy, salut. Donc, ça que nous pouvons comprendre, mes amis, c'est que lorsqu'on a l'attaque, ou à vivre, ou bien à mourir, à partir de l'attaque, tout dépend de grosseur à l'attaque ou faire. Sauf un major heart attack, ou gagne plein de chances pour mourir, parce que ou gagne en pile muscle cardiaque qui mourit. Est-ce que tu as des causes qui comprennent bien? Ok? Et ça fait que, l'on est gagné 45 ans, avec un nek qui gagne 65 ans, font à l'attaque, mon nek qui gagne 65 ans, la vive plus, et les gon, cas de mortalité, kay moun 65 ans, li moindre que moun qui jeune. Parce que moun qui jeune, lui-même, li pas gagné temps pour lui faire collatéral, des vaisseaux collatéral, sont ligons seul à terre qui les gagnent, si que et parce que les que dans cœur ont gagné plusieurs à terre, ont gagné pigo à terre là, il y a les lignes, les LED, des LED, et puis ont gagné de circumflex, ont gagné de passer en coronary artery. Left anterior descending artery, it's called LAD, left anterior descending artery. The pigo atea qui descend dans la partie antérieure que elle. Mais au fur et à mesure que grand monde, les atea sa bouche ou bien l'autre petit bouche, petit atea qui fait sous côté. So, si go atea sa bouche, petit petit qui sous côté yo, qu'a assuré et vascularisation, circulation muscle. Mais, là quand son jeune garçon font un attaque ou pas qu'il t'en fait collatéral depuis main à terre bouché, that's it, ou pas gagner un rien qui ca préserver. Ça fait que mon jeune garçon qui fait l'attaque, il toujours mourir parce que yo quantité de muscle qui mourir a qui dommage a li excessif. OK, so l'homme mourir dans un attaque et c'est à partir de quantité, de énormité, énormité de muscle cardiaque qui mourit. Plus que au gain muscle cardiaque qui mourit, plus au gain chance pour mourir tout. Et c'est ça fait que, étude ça a démontré que, patient qui vini dans l'hôpital là, si au bali, médicament ça qu'elle est N-acétylcystine
en combinaison avec nitroglycérine, il réduit et size et heart attack là. Et de ce fait que mon nan la vive, il y a un cas de mortalité qui moins. OK? C'est nouveau bête qui fait tomber semaine passée. Et bête, il y a un nouveau bête qui fait tomber. Now. So, c'est ça qui est, ça fait qu'il est important que et les que font au gain chest pain si que au gain et au gain au gain au gain et se font en attaque ou supposé courir l'hôpital. Now, je laisse-moi dire bonsoir à un frère. Gikaz, salut, comment ça va, Gikaz? Harry-Louis Jacques, salut, comment ça va? Marcel Nicolas, salut. Winnie Pierre, salut. Ça, c'est mon frère, Guy Rameau. Comment ça va, Guy? Guy, ça fait quand même plaisir que tu sois branché. C'est la première fois que tu es tout avec nous. Guy vit en Haïti. Guy, comment ça va? Salut tout le monde de ma part, salut toute la famille, et je profite de te souhaiter joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, hein. Mille merci, Guy, hein. Michel Croguerlan, salut. Donc, c'est l'essentiel pour partir ça. Now, et lorsqu'on a l'attaque, par exemple, nous carré que ça a gagné peut-être une année, et t'es un gros. Et vous vous trouvez en Haïti, et monsieur Babankouyo, et qui te font à l'attaque en Haïti, monsieur mourit. Now, m'a dit nos bagay, normalement, si on monde pas fait un major heart attack, dans n'importe l'hôpital où ici, où il y a, où vous pouvez vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Now, mais en Haïti, vous n'avez pas de reflet ça. Parce que, et les moun indisposés en Haïti, yo pas bal moun nan premier soin yo. Et ça fait qu'en Haïti, pas gen urgence vraiment. Pas gen urgence. Là pour moun nan ambulance, yo pas gen ambulance nan, pas gen yon électro, li pas gen yon aucun médicament quelconque. Parce que, on moun ka fon an attaque, of ka fon an attaque, yo ka vive. Mais en Haïti, sou fon an attaque, ou gen problème. Parce que, pas gen assez IMT et moun ki nan IMT yo. Amélie Chevalier, salut. Tamara Rainbow, salut. Michel Corguelon, salut. Et technicien yo pas vraiment gagné assez training pour yo faire électrocardiogramme puis ba patient le premier soin. Et nan tout bagay nan médecine, bagay ki pi important c'est premier soin. OK? C'est ça que ici, si c'est pas premier soin yon bay en pile patient, yon tap mouri. Gen pile moun ki gen chest pain la kayo, yon re l'ambulance pou yon, c'est à partir le premier soin yon akorde moun yon ki fait moun yon survivre. Gen moun ki stop breathing la kayo. So, technicien yon gen tan intubé yon, et puis mette intubé yon, et puis mène l'hôpital. Donc, ça quand même été fait en Haïti, fait que faut ta gagner pas trop docteur en Haïti qui train qui fait emergency medicine. OK? So et ou pas emergency room ou docteur va jamais train as emergency doctor. So pas trop docteur en Haïti qui train as emergency. Et puis tout et dans l'école médecine en Haïti, yo pas enseigné vraiment les soins d'urgence vraiment. So, en pile moun yo pa konnen vraiment. OK? Donc et l'état important que dans curriculum médecine yo pour yo faire et emergency medicine avec yo et puis tout pour ta gen plus docteur qui spécialisé yo dans emergency medicine et puis gen en pile secouriste pour yo ta voye yo dehors pour yo apprendre qui gens que pour bail premier soin. Parce que le premier soin, c'est très important. Donc, et pour me faire un petit recap de ça, me dit à l'heure là, c'est que lorsqu'on a l'attaque,
heart attack là lui-même, ça dépend de size heart attack là, et c'est comme ça, c'est et qu'on va vivre. Si size là big, ou pas gagne arriver à l'heure, you pas boire ces médicaments, ou pas gagne mourir. Bon, let me say it in English. For those of you who speak English. Now, there are risk factors that entail for somebody to have a heart attack. First of all, the common risks are hypertension, diabetes. Pas gain premier soin vraiment. Merci à Guillaume. The common risk factors for heart attack are the following: hypertension, diabetes, chronic kidney disease, high cholesterol, sedentary life, lack of exercise, family history of heart disease, and certain genetic inheritance that can prone somebody to be prone to have a heart attack. For example, there's a gene. If you are homozygous for that gene called KF6 gene, if you have that gene, regardless of your cholesterol, regardless of your exercise, you're at risk for heart attack. And sometimes somebody may have the perfect cholesterol, then you still can have a heart attack. So sometimes it's the genetic component that puts somebody at risk. So there are two types of heart attack. There's one called ST elevation myocardial infarction. For abbreviation, it's called STEMI. And there's one that's called non-STEMI. That means that there's no ST elevation. So the survival of somebody with a heart attack depends on the size of myocardial damage. And most of the therapy geared to patient with STEMI is to reduce the size of myocardial damage. So the bigger is the size of the myocardial damage, the more likelihood for somebody to die of a heart attack. And that's why young people in their 40s who get a heart attack, they're more likely to die than somebody who's 65. Because somebody who's 65, they tend to form collateral arteries beside the main artery. So if the main artery is blocked, then they can survive from the collaterals. So, having said that, the size of heart attack is the key factor for somebody's survival. The bigger is the size of the heart attack, again, I will reiterate, the more likely you have more muscle damage and hence death. So recently, and when you treat somebody with a heart attack, he held the primary medication. They give you nitroglycerin, which is a vasodilator. They give you a beta blocker to bring your heart rate down to prevent you to use too much oxygen. They give you morphine sulfate for pain, and they give you anticoagulation. Either they might give you heparin, or they might give you thrombolytic therapy, which is a anticoagulation medication to cause breakdown of the clot that blocked the artery. So recently, they found there's a substance called N-acetylcysteine, which is a substance with a base of sulfur. That substance has anti-inflammatory properties, and also it potentiates the effect of nitroglycerin, which is a vasodilator.
So study have been shown that when patient takes N-acetylcysteine or in combination with nitroglycerin, there is a 30% reduction in the size of the heart attack. So this medication now, they've done a trial, and that's what the trial resulted in. So by reducing the size of the myocardial infarction or the heart attack, the person we have better preservation of the myocardium of the cardiac muscle, and hence the person will live a little bit longer. So that's the essential for the for the medical update. Let's see. Let me say hi to Véline Le Gagneur, Marjorie Dubois, Nidia Dorcy. Marjorie Dubois, salut. Chantal Austin, you have a question. I have a question that that is combined. Is it still over sublingual? What is combined? Is it Chantal? I don't understand that. You said I have a question. That combination is this? Oh no. That combination nitroglycerin. Well, they have pills. They have pills made with N-acetylcholine, and also they have pills also nitroglycerin. Right? Now, but when somebody has a sorry, when somebody has a heart attack, the person cannot take anything by mouth. Everything has to be done through the veins. So, when somebody has a heart attack, sometimes they come unconscious, they're not alert. So you cannot give anybody any medication by mouth. And also it takes longer to be effective. Anything that you take by mouth has to go to the mouth, esophagus, stomach, and then go to the intestine to be reabsorbed, and then get into the plasma and get to when you get somebody to the vein, it goes directly to the circulation, and then the effect is immediate. So I don't think that there it would not make much sense to have a pill given by mouth, because you want something to happen quickly, because you don't want the muscle to die, and whatever you want to do, you don't want it quickly. So by mouth is not a good therapy. Okay. Est-ce que combinaison ça est-ce que ka fè li et sublingual? Oui, gagné, substance à N-acetylcysteine, non, en forme de tablette. Nitroglycérine, non, toujours, en forme de tablette. Mais là, on fait un heart attack, parfois, moun nan pas même, et il est alert même. So, moun nan, parfois, il est inconscient. So, et là, qu'on fait un heart attack, ouvrez une thérapie qui rapide, parce que, ou pas, ouvrez trop. Et mus cardiaque là, il dommage trop. So, et sous bal mon médicament par bouche, il y a un pile route pour médicaments à faire, faut passer dans bouche, œsophage, estomac, intestin, réabsorber l'intestin, et puis à l'emplasma, et puis pour l'arriver, côté pour l'arriver. Hein. Mais là, ben, mon médicament tout venu, mon médicament là directement en circulation, et bien fait effet. Ok. Nancy Mayromé, salut. Nancy Mayromé. Et Nancy May est toujours là. Merci, merci. Thank you for all your compliments. Flo, allez-y, salut. Kitli Armand, salut. Bon. Est-ce que pas quelqu'un qui a une question sur ça me poser à ce moment-là? Est-ce que pas quelqu'un qui a une question sur lui? Pas quelqu'un qui a une question?
M'attends question avant que moi procéder avec the main topic for tonight. Ok, m'attends et nous bamouin et nous fait poser question sous question. Mais à mon avis, je vais remplir mon il y a une question posée parce que à la taxe ça, c'est mal sérieux lié. Ok, est-ce que par exemple qu'il y a une question que vous voulez poser? Sur la question de heart attack, en termes de, ça me parlait d'ailleurs là. N'y a pas de question? Dis-moi nos questions. What are some telltale signs that one might be at risk of having a heart attack? And what can one do prophylactically to prevent such occurrence? Very good question, D. Now, D came a little bit late, but let me repeat myself again. Now, there are certain risk factors for heart attack. For example, hypertension, diabetes, chronic kidney disease, obesity, sedentary life, or should I tell you driving? Okay, all right, drive safe. Sedentary life, family history of heart disease, like if your mother, your father, your sister die of a heart attack at 50 years of age or younger, you're at risk. Now, there are certain signs of heart attack. For example, chest pain, the worst chest pain can have. Somebody sitting in your chest, crushing light. The pain goes to your left arm. You feel nauseous. You're vomiting. And the pain is the most terrible pain that you can ever have. These are signs. But in a diabetic, those signs, those symptoms are obscured. Most diabetic patients may have a fatal heart attack and then they don't feel anything. Now, what can you do prophylactically? Somebody said a baby aspirin. Yes, you can take a baby aspirin, but the most important thing, D, and also another risk factor is any inflammatory disease that you have, you put you at risk for heart attack. For example, if you have rheumatoid arthritis, if you have lupus, which are all inflammatory diseases, they put you at risk. Something else, some people carry a gene called KF6 gene. If you almost zygous for that gene, regardless you have a good cholesterol, you're at risk to have a heart attack. Now, but as I said, Chantal Aventure said it. Yes, you can take an aspirin, but the most important thing for you is to get to the hospital immediately. Do not wait at home. Don't say son gaz li. Pile nou dize gaz, et puis gaz la pou tonne la mort pour nous. Haïtien, toute maladie haïtien c'est gaz. Il y a un gaz dans la tête, il y a un gaz dans les oreilles, il y a un gaz dans l'estomac, il y a un gaz dans les pieds. Il y a un gaz dans le pied. Donc là, comme dégober, je me sens mieux. Mes amis, je n'ai pas un gaz dans le cou, je n'ai pas un gaz dans le chest, dans là-haut. Les gaz sont seuls côté de l'été dans le ventre. Et c'est normal pour un gaz. Parce que l'intestin sont open, l'oumenier, ou ap gen gaz, c'est normal pour gen gaz. Mais pas ka gen gaz dans pied. Gen moun ki di an ke, oh donc là, m sa si gon gaz gen dans pied et puis il monte le marché et puis il rive dans vent, moi il rive dans bras. Ça pas exister mes amis, pas dire aucun docteur ba comme ça, il a pensé qu'il nous fou, surtout docteur étranger. Donc docteur haïtien a comprendre nous, mais docteur étranger, il pas comprendre nous. L'aide nous gen gaz dans pied, docteur a pensé qu'il nous fou. OK? So, pas répéter bah comme ça,
et si nous gagnons vieux parents nous cap dit répéter bah comme ça pas qui répéter hein monde pas gain gaz autre que ou gain dans ventre et c'est normal pour gain gaz. Bon, I think I answered the question. And Chantal also agreed the intravenous is the most appropriate form of therapy. Any other question? Denise Ilifat, salut. Any other question? Oui. You get guys to pick your finger or two. Yes, you get guys to pick your finger or two. That's true. D, very good. That's a good question. Very good question. Now, men and women experience the same symptoms. The same symptom. However, a diabetic patient will not experience the same symptoms as a normal person. So a diabetic patient can have a massive heart attack. The heart is completely dead. They don't have any chest pain. And they just collapse and die. So sometimes a diabetic patient can present with atypical chest pain. They may feel nauseous. They may be lightheaded. They may have tooth pain. They may have jaw pain. These are all referred pain that can present like this. So it is important for a diabetic to know that they don't need to have pain to have a heart attack. Okay. In addition, D, once a woman goes into menopause, the risk of a heart attack increases threefold than in the men. So postmenopausal women have a higher risk to have a heart attack than men in general. So that's why many women have a heart attack. They have an attack after they go into menopause. Mildred Tassi Simon, Dr. Benoit, I heard it is best to take the aspirin at night since most of the attack happen while sleeping. Is it true? No, that's not true. You can take the aspirin anytime because true enough, a heart attack occurs in the morning, but when you're having a heart attack, it is a process that is, information throughout the day, so take your aspirin in the morning. It's quite okay. Taking it at night, it's okay. There's not better time to take your aspirin. Okay, Captain, thank you, Doc. I'm off subject. What are the cause of aneurysms? Okay, the aneurysm. What is an aneurysm? Aneurysm is the dilatation of the wall of an artery. They are one major artery in the body is called the aorta. The aorta is the biggest artery in the body. The aorta starts from the heart, going down to your belly, to your thoracic, and then to your abdominal, to your abdomen. So there's what you call the thoracic aorta. There is the abdominal aorta. So when you have a dilatation of the wall of the artery, it is called an aneurysms. Okay. So symptoms of an aneurysm are the following. The cause of an aneurysm is because the most common cause is hypertension. Okay? No. And when you have an aneurysm, you have chest pain. The chest pain is the worst chest pain, and the chest pain radiates to your back. Okay? And one
complication that somebody has to prevent aneurysm is ruptured, because an aneurysm is like a balloon. When you inflate a balloon, the balloon become big. The more you inflate it, the more likely it will pop. So the same thing with aneurysms. In aneurysms, after a while, the wall of the artery can become very thin and then ruptured. And when you're ruptured, usually the is usually fatal. So the symptoms for the cause of an aneurysm is hypertension. Okay, there are people who are born with aneurysm, called people with Marfan syndrome. They have thoracic aneurysms. Is it because they have a problem with the collagen? So therefore the wall of the artery is very thin. But for the most part, what causes an aneurysm is hypertension and cholesterol. Okay? All right. Yvina La Rose, salut. Milamin Tosiro, salut. DX question. Does ice water with lemon help reduce the intensity of a heart attack? If so, please explain the science behind it. ice water will make a heart attack worse, because ice water is a vasoconstrictor. It narrows the lumen of the artery. So you don't want anything that you need something that opens the artery. Ice water will make the artery smaller. If it's smaller, you're going to have less blood flow going to the heart. And hence, you have more death of the cardiac muscles. Ice water is no good for a heart attack. So ice water will make your heart attack worse. Okay? So there's no science behind it, but the physiological explanation for it is that when you ice water will vasoconstrict, that means that it will narrow the lumen of the artery, instead of making the artery like this, you make it like this, and it's bad for heart attack. Kathleen, so what does a menopause woman do to prevent a heart attack? Exercise, eat right, and then take your aspirin, and then pray. That's it. D. Most of my patients who've had brain aneurysm tend to be male in their 40s. What is that? Now, the aneurysms in the brain is different. These are berry aneurysms. All right, those are usually innocent. They're just incidental finding. However, there are patients who have certain diseases. For example, patient with polycystic kidney disease, they tend to have aneurysms in the brain. They have to have aneurysm in the brain. So this patient, you have to screen them for aneurysm. But usually an aneurysm there in the brain is an incidental finding. They just do a CAT scan and then they find an aneurysm, and then they operate on the patient. If you're lucky enough, you're okay. Milami Tostirol, salut. Widadikat, salut. Didiago, this ice water business was on Dr. Oz. I'm telling you, it doesn't make sense at all. Physiologically, it does not make sense at all, because the ice water, what it does, it vasoconstrict the vessels. Okay, you ever see that? It's like when it's cold, what happens to your fingers? They're numb. Okay? Because you don't have any blood flow going to your finger. It's the same thing for your heart. And that's why people, exactly. A lot of people get heart attack is by shoveling snow. Many people get a heart attack by shoving snow during a snowstorm, because the cold weather vasoconstrict the artery, and then you have increase of
oxygen demand of the heart, and then you have a heart attack. So question of ice water for heart attack is baloney. It doesn't make sense. Kathleen said that true or not, I read if you have a heart attack, coughing heavily will stop the heart attack. Nah, that's baloney. That's not true. That's not true. Rachel Joseph, salut. Madame Black, how you doing, Madame Black? Welcome. Gracious Pierre, Madame Black, hi. Jos Alberi Jeudi, là c'est patient nié. Madame Jeudi, qui j'en ai? Elles ont pris un médicament. Hein? Madame Jeudi pour médicament? Ou on est debout pour médicament? M'a couru d'air. Ok? Mais je comprends médicament, Madame Jeudi. Ok? Ok, puis salue et Marcel Jeudi, moi, patient moi. Dit monsieur Kebela, monsieur, salue moi s'il vous plaît. Martino Robert Saint-Ville, salut. Pas une autre question encore sous heart attack? Et c'est pas une autre question encore? Pas une autre question encore sous maladie ça? Ou maladie qui a fait ravage dehors? Bon, et bien nous pas parler là pour un petit temps là, tout petit là, pour demain t'en après. Now, et as the year is over, so I'm going to give you opportunity to say whatever you want because it is not something that I can talk about unless somebody you express yourself. So I'm going to let everybody to say what they feel. This is going to be an open session now. As the year is over, we take time to reflect, and the reflection you should ask yourself. Whether or not that year, 2018 is a better year than 2017 or 2017 or 2017 or 2017 was a worse year for you. So, Another question that I'm giving for you. Do you have any regrets in 2018? Or do you feel that you have accomplished a whole lot in 2018? So, Kani, m'balé pour nous tout à l'heure. Exactly. Why so many young kids having heart attack in their gym class? It's not that having heart attack. Okay. D. Young kids don't have a heart attack. C'est pas ça qu'on gagne. You gagne ce qu'on appelle. You gagne it's an abnormal heart rhythm because of a muscle in the heart that is very thick. The septum of the heart is very thick. It's called idiopathic hypertrophy of the heart. So this patient, they tend to have ventricular fibrillation, and from that they die. So many of these patients, young people, like athletes, who die suddenly is because of IHSS, right? Which is you have septal hypertrophy of the heart has a septum that divide the right chamber to the left chamber. That septum in the middle, when it becomes too thick, it potentiates for somebody to have an arrhythmia, which is called a ventricular fibrillation, or patient can have SVT, sinus, supraventricular tachycardia, and then the person can die. So it's not young people that have heart attack. It's because of the IHSS, which is a septal hypertrophy of the heart. Can it agree? Too much potassium or too little potassium can cause heart attack. No, well, again, what happened when you have hyperkalemia, high potassium, it can give you ventricular fibrillation. The same again, not a heart attack. It doesn't give you a heart attack. It gives you an arrhythmia, a ventricular fibrillation, and then the heart stops. You don't have the heart stop
Okay? It's not really a heart attack. You have like a blood flow. The hyperkalemia will cause you to have a ventricular fibrillation, an arrhythmia. On the contrary, hypokalemia will give you bradycardia. The heart will go slow because you need potassium inside the cell for depolarization, for the electrical apparatus to work in the heart. No potassium because high potassium make the heart stiff. Low potassium make the heart relax, and then hence you have bradycardia. Okay? So high potassium make the heart hypertonic. Low potassium make the heart hypotonic. That means that weak. Let's see. Chantal, I would like to find a way to educate my people, patient, about the importance of being consistent on their meds, how to approach it. Maybe next time I'll do a show like this, Chantal. Okay? Maybe next time I'll do a show like this. How can we educate our Haitian patient to be compliant with the medication? Kenneth Good, Goog, salut. Carole Cano-Edouard, salut. Darlene Coutroy, salut. Bernadette, bonne année, Brisson, notre patient. Salut. Véti Charles, salut. Marcel-Alain Duplessis, salut. Ochendo Damus, Haïti Créole, en action. Hey, Ochendo, salut. Bon. Question là toujours. Qu'on y a un petit deal l'open pour nous. Si vous faites venir là, m'a dit non à que. Qui j'en ouais année ça pour nous? Est-ce que c'était une bonne année? Ou du moins une mauvaise année? OK? Et qui ça que nous t'a aimé changer pour l'année prochaine? Est-ce que année 2018 là, il était porté en pile désastre pour nous? Ou bien en pile bon bagaille? So, m'qui des lignes là open, moun qui voulait bail opinion yo. Ou bien si on moun t'a voulu dire live, m'a mis de live. Il m'a tout checké vraiment si bah la marché. Mais si vous voulez parler live, let me know. Là, m'a regardé si le marché. Et parce que samedi, ils me font show live avec mon invité. M'a tout checké si le marché. OK. Map kounya la matin, non? Est-ce que vous voulez? Salut. No sounds. Very Charles, I think it's in your end. It's in your end, but je tout entendre là. Et si tout pas entendre moi, vetti, il t'a pris les couilles, il t'a pris les couilles d'aime longtemps là. So, mon gars, de no sound, is on your side. Bernadette, bonne année, Brissot, missing you too, my love, missing you too. Marion Jean-Paul, comment ça va, Marion Jean-Paul? Ok, pas quelqu'un qui t'a voulu dire, ça a pensé? Et qui j'ai envoyé à Néan? Qu'est-ce que tu as voulu? Si on dit livré, Mildred, ok, very good. Mildred, would you like to be on, would you like to be live? Tell me, yes or no? Oh, Colette said I want to speak live. Ok, Colette, ok, let's see. Why don't you make, ok, why don't you, darling, to toi, it's clear. Colette, now, let me see if I can, if I see you there, I can get you on. Colette Sina, where are you? Colette Sina, okay. Colette Sina, you have to request it. Okay. Let's see. Colette, let me see. Colette, let me see. Colette, are you on? So, faut que ou fait demande là. Fait demande là et puis m'a mettre on. Colette, fait demande là. Non, m'baka, Colette. C'est ou même qui vous fait demande là. Fait demande là et puis fait demande là et puis m'a mettre. OK? Fait demande là. Who else would like to be on? Nadine, would you like to be on? Nadine, let me know. Nadine, would you like to be on to say exactly what you think this year? Me and Manoli, would you like to be on? N'importe qui t'a voulu on, dis yes, et puis m'a mis on.
Pour t'a dire que ça, penser de 2017 là, 2018 là, ou capable ka parler de vous-même, ou capable parler soit dans le monde, ou capable dire soit vous voulez, qui ou capable qui jouent le monde à bouler, et qui ont gagné, qui sont ou accompli, qui sont pas accompli, tout bah ça, qui ont un futur pays d'Haïti, on prend. Bon, regardez, Colette, bien sûr, demande là. Colette, vous faites. Colette, you have to make the request and so I can approve it. Well, anybody else would like to say a few words? Mildred, Tassie Simon, would you like to be on? Tell me. Anybody shy? Okay. Let's see. Bamgadi, Bamete Colette. Colette, c'est là. Colette, c'est là. Ok. Ou là, mais, m'invite déjà. C'est moi qui peux accepter. Ok, c'est un point à citer. Let's see. Par exemple, mon guitare aimé dit deux mots là. Live. Ok. You shy? We shy? Nadine, ok. Nadine, I'm gonna put you on Nadine. Come on, Nadine. Come on, you're not shy. Let's see, Nadine. Bon, moi, si moi, non, là, Nadine. Bon, moi, Nadine. Bye, non, là, Nadine. Bon, ouais, si tu dis non, t'es là. Nadine, là, ok. Nadine, ma mito on. Ok, accepte Nadine. Ok. I'm putting you on. Nadine. Let's see if it's gonna work. Oh, Nadine decline. Nadine decline. Colette Sena, bon mwen, ok, me darling di sa pou fe. Ok? The green box with the pic of a person and the TV click on it to make the non, Colette, m'invite déjà, c'est au même qui pour make the request now. Make the request so then you're gonna be on. Make the request. Follow the instruction of Darlene. Let's see. Request me again. Let's see. Ça gars, c'est Colette, ou qui t'a invité déjà? C'est ou même qui vous supposez mettez, you have to make the request now. Non, you have to make the request. Make the request. Colette, make the request. Mkamito. Bon, tu veux Colette, on ça vous fait. Go off the air and come back again. Et puis, map me to on. Go off the live and then come back again. Go off the live. And then come back again, and then I'm gonna put you on. Alright, only seulement Colette qui veut t'avoir dit deux mots. Pas un autre qui t'avait dit deux mots. Mais mes amis, oh, à pas mon yo, shy. Madame Jean-Louis, madame dit deux mots, madame Jean-Louis. Nadine dit pas dit deux mots. Mildred Tassis, ils m'ont dit que il va répondre moins. Moi, qui est encore qui t'avait dit deux mots là. Chantal Laventure a conduit. I would love to come, but I'm at work next time. Nancy, man, with me? Okay, next time I put you on. Okay, let's see. Qu'est-ce que t'avais dit de mots là? Mais Emmanuel, t'avais dit de mots? D. Victoria Hill, would you like to say the two words? Bernard Bonani Bichot, would you like to say the mots? Alright. Vetty Charles, Darlene Coutroy, Chantal Austin, Viti Shaw, tout le monde ça, nous pas dit deux mots? Hein? Qu'est-ce qui t'avait dit deux mots à soi là? T'avais parlé avec tout le monde là pour dire ce qui j'ai ouais 2018 là, yo ka fait très généralisé, yo ka ouais ça a regardé ça nous ouais ça Brother Evans Colo, would you like to talk to him? Events is not shy. Events, brother, would you like to be live to say qui j'en ouais là, qui j'en ouais 2018 là hier et il pas besoin personnel ou car ouais le Jean Lemondier ou regarder ou regarder Haïti ou regarder en général qui j'en ouais futur hier. Est-ce que nous pensons que bon futur que moi?
Dans les couteaux. OK. Approuvé. Dans les météos, les oies. Daline. Oda. Et ville et Colette moi ou après les moi. C'est pas les pour les non. C'est pour nous ça vous fait moi du conseil que fort. You don't have a life face. OK, no problem. Darling, mais darling, moi adoré. Faut accepter. Colette, nous ça vous fait. Go off the live and then come back again and then I'm gonna see a little sign that said that to put you on, I'll put you on. So go off the live. Don't call me because I cannot answer the call. Okay? So go off the live. So Mme Dabissé m'a dit Darlene Coutois. Apparemment, Darlene Coutois pas accepté lui. I don't know what happened. Darlene Coutois pas, ou du moins c'est encore c'est problème, même problème non encore. I hope not. Dominique Montpellier, salut, comment ça va? Laisse voir, laisse voir, laisse voir. Bon, mais qui est-ce qui a pris là rapidement? Là, je vais essayer ça là. Regardez. M'explique le même problème. Non, il me tourne le même problème. Non. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de m'avoir assuré avec nous. Et Colette Sena, I'm sorry, dear, that I can't put you on. Again, je suis le même problème toujours. Je suis un passé. Et je vais parler les Facebook encore pour m'expliquer le problème. C'était un grand plaisir de la soirée avec nous. Et nous went over the heart attack. Et puis tout. Et même personnellement, je trouvais que le futur à travers le monde est ambigu. En le sens que nous voyons que bon déclin. Oh, the life stop working. OK. Est-ce que tout le monde est là? Quoi que je ne parle pas tout le monde qui est là, parce que laisse que mon problème là. Bon, anyway, let me close by saying que nous voyons que bon déclin à travers le monde. Que 2018 là, que l'été pire que 2017 là, mais nous espérons que 2019 là, et le monde a changé, tout le monde a changé, et puis nous avons meilleure vie. Mais en tout cas, essayez quand même, vivre nous, essayez quand même, aider l'autre. Essayer quand même changer la vie la vie d'une autre personne que nous connaissons. Colette, je ne sais pas dire que dire le life stop working. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vais appeler. Est-ce que vous m'entendez? Kaline, est-ce que vous m'entendez? Joël Boutuzé, est-ce que vous m'entendez? Colette, dire que the life stop working. Est-ce que vous m'entendez? OK. Dis-moi qu'on est Kathleen. Kathleen, dis-moi, est-ce que vous entendez, monsieur? Is it clear? Parce que Colette dit que the life stop working. Is it on your hand or my hand? I don't know. So, comme on a dit à l'heure là, que 2018 là sont années qui sont vraiment terribles. Nous sommes en pile. En pile war, en pile la guerre, en pile destruction, en pile famine, et des crimes odieux. Et le monde est bouleversé. Et le futur est très ambigu pour tout le monde. C'est juste que nous espérons que quand même 2018 là, 2019 là, il y a mieux. Mais quand même, il faut nous être tenaces, il faut nous être steadfast et pour nous vivre. Même pas qui est important, ce n'est pas COP qui est important, ce n'est pas Belgrade qui est important, mais c'est plutôt la paix dans le cœur nous. Et aussi bien
santé. Make sure que nous prioriser santé nous. Make sure que nous santé nous en avant parce que c'est les mêmes qui en premier. Cani Olivier, salut. Donc sur ce, m'a prêté là. M'a dit tout le monde bonsoir. Et puis m'a banné rendez-vous samedi. Et samedi là, faut me chercher un gens là, me faire chose ça différemment parce que apparemment et m'a pas mettre des monde sur live parce que et mon problème dans Facebook. Ouais. Mais avant m'aller, m'étais besoin d'entendre que est-ce que nous t'entendons? Parce que et parce que Colin dit que the life stop working. Il dit the life stop working. It seems to me it's possible. The life stop working. Kani, est-ce que tu t'en Kani? Yeah, maybe the life stop working. Again, mais bonsoir tout le monde. Nawe, samedi.